Bonjour, bonsoir, au soin Info 24, c'est Canal Paola contre la Kaona Lessa. Pas oublier, si vous pouvez vous faire ça, songez à abonner avec Chanel là. Toujours continuer à partager la vidéo. Quittez un commentaire bah, si ce n'est pas pour aider nous avancer. Nous portez-vous dans la vidéo sa réaction Epi Darincourt, qui est délégué départemental de la Tibonie Blanc. J'en remercie à ta psychique pendant toute journée, hein, qui te fait quoi? Anel Joseph te kidnappé un bus qui t'a sorti pour des paix. Côté de mettre tout le monde qui est dans le bus en otage et fouillé pour te voir tout ça. Et bien, délégué départemental de la Tibonie Blanc, Epi Darincourt, réagit pour le dire. Jusqu'à présent, l'information n'a pas vérifié. Eh bien, nous allons vite suivre réaction déléguée. Bon, jusqu'à maintenant, nouvelles assez sur les réseaux sociaux liés. Je parle avec CP pour la police, je parle avec responsable commissariat au niveau Villa. Ce qui est passé, c'est que dans 53 personnes qui ont été arrêtées au niveau Cap Haïtien, il y a des gens dans la zone qui ont même des parents qui sont dans 53 personnes. Donc, dossier devant la justice, et commissaire gouvernement détendé, et vous avez bail juge d'instruction. Donc, c'est sous un mouvement, sous et je dis, au niveau et Villa, c'est au niveau Villa. Donc, on va pouvoir que des machines qui ont été croisées dans l'autre, pour être capable de revendiquer, pour libérer Mounzao. Qui sont capables de dire nous, sous information qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi Anel a équipé, kidnappé une machine, ou bien prend une machine qui tape sorti port de paix, entre Port-au-Prince, ils ont fouillé la machine, ils ont pris un bagage dans la machine. Il y a témoin. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'informations sur ça. Je ne suis pas avec les responsables pour informer sur lui. Nous toujours parler chaque matin. L'information que je n'ai, c'est le même partager avec la population. Que, et ce sont des gens au niveau des villas. Mm-hmm. Et que tu as des proches qui, dans 53 personnes qui ont arrêté, qui ont transféré dans la prison, c'est moi. Sur le plan sécuritaire et délégué, dis-nous comment ça est dans le département. La police a travaillé. Pas oublier que c'est pas un jour que quand on enlève. Le plan, on va dire qu'il a que la société a quitté grandi en Amitario pour déraciner la demande en titan tout pour déraciner parce que l'elle tape grandi en titan. Les pour retirer l'entour la prend titan. Donc la police et puis autorité qui concerne le travail. Déjà nous te chita ensemble avec commissaire gouvernement SMA, commissaire gouvernement Gonaïs, notre cadre conseil de sécurité départemental, qui est vice-délégué, et puis qui est responsable de la police départementale. Donc, nous avons notre travail. De temps à autre, que la police et puis l'autorité ont changé de stratégie, ou même changé de stratégie tout. Donc, c'est une bataille, c'est nous demandons à la société, à la population, pour que nous même des informations. Nous demandons tout, même avec la population, pas quitter ça grandit. Dans le temps, nous, automatiquement, nous, on est armés dans le quartier, nous, dans la zone, nous, et la police, pour la police faire intervention, et puis vite, pour que ça ne pas grandir dans la communion, dans la société. C'est délégué département de la Tibonite, Herbie Darincourt, dans le micro, Kétia Jean-Pierre Tello. Il faut que nous disions porte-parole la police, qui a rencontré la presse, alors porte-parole en après, n'est pas en mesure pour te confirmer effectivement si route nationale numéro 1 est bloquée dans le niveau Lester et pour sonder, en fait, tout département. Et porte-parole adjoint police nationale, l'inspecteur principal Gary Desrosiers, déclaré la police pour trop de détails sur le dossier ça. Et il n'y a pas, il fait connaître l'inspecteur police qui était joint à l'arrestation à cause rapport. Il était gagné avec chef gang Anel Joseph Lan dans le pénitencier national, mais il n'y a pas de détails. Et sous ça, il a parlé de arrestation, inspecteur police. Gary Desrosiers, dans une rencontre avec la presse, et qui vini sur plusieurs points. D'abord, on vini avec Jimmy Cherizier. Et que RNDDH présenté et dénoncé plusieurs fois, et l'autre organisation, tout le monde, sous lui comme un bandit, d'après ça, dit. Et alors, Dimitrisé, alias Barbecue, et pas fait partie de la police nationale là encore. Et il y a une accusation d'après avoir une zame illégale dans men. Et ces déclarations, ça porte parole après la police nationale, l'inspecteur principal Gary Desrosiers fait, dans la conférence pour la presse Libaï, journée jeudi, et dans le cadre de la conférence pour la presse bilan, police dans l'Ouest.
et après IGPNH qui c'est inspection générale police non te recommandé pour te révoquer policier ça dit Michelizier alias Barbecue lui dit qu'il était abandonné poste depuis mois d'août 2018 direction générale police nationale là et tombé d'accord avec recommandation IGPNH effectivement il a révoqué Michelizier alias Barbecue. Et non seulement le rapport RNDDH qui dénonçait comme yon chef bandit mais qui t'a un tueur à gage qui travaille pour ministère intérieur tabal mission pour éliminer directeur exécutif RNDDH ta monsieur Pierre Espérance mais nous songe tout ça qui passait dans zone Tokyo dans zone Lasaline particulièrement Tokyo te gen un pile monde qui t'a fait déclaration dans micro qui t'a dénoncé monsieur qui t'a fait avarie sur yo pas trop longtemps qui t'a metté du feu dans caillou et qui t'a dans tête mouvement qui t'a attaqué population qui était dans zone populaire ça même Jean ak ministre justice démissionnaire là Jean Oudi Ali direction générale police non tombé d'accord ak inspection générale là pour révoquer Jimmy Cherizier non police non et n'attendait précision porte-parole en après police nationale là inspecteur principal Gary Desrosiers. Au niveau d'inspection, il y a un dossier qui est relatif à l'ex-policier Jimmy Cherizier, policier agent 3, 16e promotion. Il était abandonné poste le 30 août 2018 et en janvier 2019, inspection générale, après enquête, lui a demandé de faire recommandation pour révoquer policier Jimmy Cherizier. Révocation, ça a été approuvée par le commandant-chef de la police nationale, visé et encore approuvé par le ministre de la Justice. N'a dit désormais, Jimmy Cherizier n'a pas fait partie de l'institution la police encore. Et chef d'accusation de l'inspection générale de Guinpouli, c'est possession illégale ZAM. Et gagner justement leur implication, nous pas capable d'élaborer parce que le dossier a devant la justice et gagner un juge d'instruction. Cap sub dossier, l'instruction est secrète, nous-mêmes la police ne va pas rentrer dans ça. Voilà, Gary Desrosiers, qui c'est porte-parole en après, police nationale, dans la conférence pour l'après jeudi. Il parlait de 4 policiers qui mourent dans le dernier jour. Ça, yo, inspecteur principal Gary Desrosiers, sans pas de bail trop de détails là tout, déclaré qu'il y a une enquête la police dans l'ouvri pour permettre lumière faite sous et crime ça, yo, même gens. À dernier cas, nous connaissons qui souquait commune dans Pétionville, c'est un assassinat dimanche qui s'est passé là, inspecteur police Alix Jean-René. Côté porte-parole police nationale, là, fait connaître les circonstances la mort à troublant, elle dit qu'il n'est pas clair, selon porte-parole en après police, non. Yon l'autre part, et par rapport à dossier viol sous 2 étudiantes université qui se à eux, et dans le jour qui s'est passé là, porte-parole là, dit, yon m'a dit tout, victime qu'a déjà proposé plainte dans DCPJ pour aider enquête la police à mener à poursuivre. N'attendez une autre fois encore inspecteur principal Gary Desrosiers, porte-parole en après police nationale là qui te bail conférence pour la presse jeudi à côté Gervin Ricardo Jean-Jacques te présent pour Radio Kiskeya. Concernant 4 policiers ça yo qui victime yo n'a rappelé non yo malheureusement c'est policier agent 1 Otto Jean Kervens qui tué par balle qui est affecté dans prison civile au Cap-Haïtien Jean-Baptiste Perlin agent 4 qui est affecté direction générale de la police nationale et l'inspecteur de police Jacques Dominique 5e promotion qui est affecté dans direction des renseignements généraux qui est dirigé par l'inspecteur général Franz Georges dans 4 dossiers ça gagné yon arrestation qui fait cocaï yon certain de fiat ainsi connu qui a arrêté dans 4 dossiers assassinat qui fait sous inspecteur de police Jacques Dominique. Gagné tout le dernier en date, c'est inspecteur de police Jean-René Alix, 47 ans, 8e promotion, qui est affecté dans la communauté du City. Et premier, justement, élément d'information, il y a un petit peu troublant parce que l'enquête ouvre au niveau de la police judiciaire pour que nous soyons capables de prendre exactement dans quelles circonstances. Nous ne pas trop de détails parce que nous parlons nuit justement à l'enquête là. Mais n'a dit incident arrivé dans rue Aubran et Laurent. Et à proximité de pompe à essence Sainte-Thérèse là et de l'église Sainte-Thérèse là. Inspecteur de police là, il était à bord du véhicule là, qui sont montés de couleur rouge. Et pendant qu'il descend, pour qu'il a lâché un papadap, et puis bandit, 2 bandits à moto tirés en direction inspecteur. Bien d'abord, il prend 3 balles et à bout portant,
et les bandits attaquent et puis bandits lui-même pendant que spectateur tombé il avancé dans carrefour il tiré pour capable créer panique et puis côté que pratiquement il tape contempler descendre inspecteur et puis retourner encore il achever inspecteur. Et information que nous voyons tout, fait qu'on est toutes bonnes machines qui étaient dans les parages. Qui d'abord est entré dans l'espace là, qui pas fait gaz d'ailleurs, il n'est pas même entré dans tout dans la maquette là. Et il a avancé et après celle-là, comme si son sorte d'inspection qu'il a fait pour vérifier effectivement est-ce que l'inspecteur a mort. La police joint 19 douilles sur scène de crime là. 19 douilles. Ça veut dire qu'on a été tiré. En pire, il y a une enquête ouverte au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, dans le service homicide, de manière pour qu'on soit capable de connaître exactement dans quelles circonstances. Plusieurs versions de jeunes, nous, lui était justement à vérifier et enquête là, lui a pas profondé. Enquête ça, elle n'est pas arrêtée tout simplement pour l'inspecteur de police là, et pour tout le monde tout, qui est victime tout, et ces derniers temps, laissé par balle, qui mourit par balle. Il y a un ULCS, qui c'est l'unité de lutte contre les crimes sexuels. Ils sont unités qui, au niveau de CDG, qui justement allaient dans l'espace. Ils ont visité 4 universités, Notre-Dame, Kiskeya, Unica, Université de Port-au-Prince, pour qu'ils aient pas en contact avec Mounio, qui est victime. Malheureusement, nous n'avons pas arrivé à parler avec Mounio et nous avons profité justement de l'antenne radio pour que nous disions Mounio qui est victime, pas arrêté la carrière. Et notamment, deux étudiants, nous invités pour une petite plainte dans le DCPJ. Dans ULCS, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui vient des professionnels justement qui attendent nous, qui accompagnent nous, et justement qui prennent le travail, qui prennent l'approfondir enquête pour arriver, mettre les mains sur deux bandits, deux criminels qui violaient deux étudiants. Ce n'est pas simplement eux-mêmes qui sont victimes de viol, il y a l'autre monde, les gens sont dit là, et plusieurs qui sont victimes, il y a des mineurs. N'a demandé justement à parents et à compte de victimes. Laisse arriver, porter plainte pour que la police soit capable de travailler. Voilà, c'est porte-parole de la police nationale, inspecteur principal Gary Desrosiers, qui fait bilan, sorti 20 mars pour arriver 28 mai, il y a 4 policiers qui mourent. En bas bal, il y a 5 autres qui blessés, il y a 8 personnes qui mourent en bas coutroche sur lapidéo, la police découvre 6 cadavres, il y a 13 bandits selon la police qui mourent, donc on est tout à pas jugé dans la justice dit présumé bandit, il y a 30 personnes qui blessés en bas bal, il y a 22 cas de Jacques qui fait dans même période là. Ça qui grave là et cas ça d'après ça porte-parole la police a précisé que 15 dans ces petits mineurs pour corps adulte yo fait cas déjà sous yo petit monde petit et dans bilan porte-parole adjoint la police non inspecteur principal Gary Desrosiers présenté journée jeudi à dans direction départementale l'ouest non et toujours dans bilan ça inspecteur police non fait connait que 13 monde qui mouri dans accident circulation et gain 78 les autres qui blessés. Et gain tout deux monde qui mouri néyé. La police rivé faire 507 interpellations dans même période là et à bas accusation qui gagne c'est assassinat et tentative assassiner monde qui a volé affaire monde qui a fait cas déjà sous monde et association malfaiteur et la trier n'attendait porte-parole en après police nationale là inspecteur principal Gary Desrosiers toujours dans conférence pour la presse, il était bail dans direction police là dans l'ouest côté Gervens Ricardo Jean-Jacques était présent pour Radio Kiskeya. M'a présenté à la presse bilan et affaire traitée au niveau de la direction départementale de l'ouest du 20 mars à date. Gagné 4 policiers malheureusement qui tués par balle, gagné 5 policiers blessés par balle, gagné 8 moun qui tués par lapidation. 6 découvertes de cadavres. Il y a 13 présumés bandits qui blessés mortellement. Il y a 30 présumés bandits qui blessés par balle. 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs recensés au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Il y a une dizaine d'arrestations qui faites dans 4 viols, ça y est, viols sous mon grand monde et 15 sous mineurs. Au niveau d'accident de circulation, et chiffre l'en dit énorme, gagné 13 moun qui mourit par accident de circulation, dont un policier, 78 blessés, dont 4 policiers lors des accidents de circulation. Il y a 5 moun qui noyés, gagné 2 moun qui tués par effondrement de une maison et 3 blessés. Gagné en total 507 interpellations qui faites,
6 transférés à la direction centrale de la police judiciaire, 3 transférés à la prison civile de Port-au-Prince, 472 déférés au tribunal. Nature ou bien chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, viol, viol sur mineur, tentative de viol sur mineur, vol à main armée, faux billet, voie de fait suivi de coups de blessure, vol de véhicule, et puis association des malfaiteurs. En tout, période là, au niveau direction départementale, là, gagné 10 âmes qui saisies par la police. Voilà, c'est porte-parole en après police nationale là, inspecteur principal Gary Desrosiers dans conférence et pour la presse il débat jeudi à conférence pour la presse Guerre Ricardo Jean-Jacques découvert pour Radio Kiskeya n'a fait premier campé.